Wolo pour l'instant. On va voir comment ça va se passer. Ça teste, ouais, c'est ça, c'est ce qu'on dit. On est copains. Salut Elsa, comment tu vas? Et chez vous, Drake va arriver, c'est ça. Attends, je vais essayer de le faire en mode. Ah non, non, non. Non. J'arrive pas. J'arrive pas. J'y arrive en situation. Alors là, on a une équipe horrible en face de nous. Donc, let's go. On a une équipe affreuse. On va essayer de pas terra cristalliser trop tôt avec Tyrannosif. Mais bon, là, on, avec de la. S'il nous sort Kourou Singe, on va pas trop avoir le choix, quoi. Kourou Singe. Salut, même guy. Non. Mais le fameux non, en fait, je fais le même à Kunai, en fait, au chat. C'est le fameux non. Non. Le nom de la planète des singes. Mais écoute, ça va tranquille, Elsa et toi. Bab, 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 bab. Salut, Lison. Bonjour. Bonjour. Et passez un agréable lundi. Comment va Nifali également? Da, 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 da. Je sens que ça fait 40 ans que je t'ai pas vu, Nifali. Ça fait plaisir. Je marche donc je galère. Ah, ok, elle est en train de marcher. Ok, c'est parti. Donc, on a. Ok. Donc, c'est la merde. Donc, c'est la merde. Et on va devoir y remédier. On n'a pas le choix que de Terra exploser dans sa gueule, hein, mesdames et messieurs. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix, donc on va faire. C'est une option qui s'offre à nous. Est-ce qu'il va Terra cristalliser son Kourou Singe aussi? Je ne pense pas. Je ne pense pas, étant donné que c'est mon Tyrannosif qui Terra cristalle en premier. Ça m'a l'air de. D'être un bon tour. Je pense que. Attendez, quoique, ça peut être terrible. En fait, je sais ce qui va se passer. Ah! Ah ah ah. Ah ah ah. Ah ah ah. Gonflette. D'accord, ça peut nous embêter. Ça peut nous embêter, ça. Parce que je sais exactement ce qu'il veut faire. J'ai déjà vu des petits malins qui font ça, c'est à la mode. Alors, on va voir les dégâts. Oh, ça a rien pris. Ça a rien pris. Alors, en fait, ce qu'il veut faire là, en fait, il veut taper Kourou Singe avec son propre Ratus là. Il veut taper Kourou Singe pour booster son attaque de points de colère. Et du coup, ça nous embête beaucoup. Nous embête beaucoup. Nous embête beaucoup en vrai. J'ai pas le choix. Hein. Là, j'ai envie de faire. J'ai envie de refaire Close Combat. Mais en même temps, j'ai envie de faire Éboulement. On va refaire Close Combat sur Mosholt comme des idiots. Hein. Ah, ça baisse l'attaque. Oh mince. Mais ça suffit! Petite merde! Un coup critique. Oh! Po, po, po. En vrai, tant mieux. Parce que les mecs qui jouent ce combo là. Les mecs, je sais pas si c'est décisif parce que c'est quand même super efficace et Lugarot boosté en attaque et tout. Mais voilà, dans tous les cas, lui il va nous embêter. Hein. Dans tous les cas, le Kourou Singe énervé va nous embêter. Salut au Shippon Sama. Ouais, exactement, baston. Baston, c'est la technique rigolote, mais bon, vu et revu quoi. Voilà. Baston sur Kourou Singe, en fait ça lui booste son attaque point de colère. Et après, il fait extrêmement mal avec point de colère. Donc voilà. Donc voilà, ça va être compliqué à gérer. Parce que là, je peux pas tuer au prochain tour. Qu'est-ce qu'il va décider de faire? On va voir qui il va envoyer de toute façon. On va voir qui il va envoyer. En tout cas, ce Kourou Singe reste dangereux. Hein. Kourou Singe, c'est un très bon Pokémon, on le rappelle. Goldingo. Goldingo. C'est embêtant. C'est ennuyeux. Nous allons faire éboulement. C'est pas très efficace sur les deux. C'est un petit peu chiant ça. On va merde. On va faire effort. On va faire ah mais on peut pas. Idiot. On va faire éboulement. Et on mise sur le flinch. C'est parti. On mise sur l'apeurement s'il vous plaît. Ça serait vraiment sympathique. Est-ce qu'il va faire abri peut-être? Oh, l'élève en face. Attends, mais c'est quoi ces bugs? Pourquoi il y a des bugs dans le chat là? Attendez, je vais. Là, je vois Ochipon, elle dit: je suis de retour, je viens de m'échapper d'une soirée avec le boulot. Ok, il a le. Hein? Peut-on m'expliquer ce qui s'est passé là? Gros Mago a attaqué avant mon Lugarok, c'est ça? Bah, on est mort alors.
On a perdu le match. Pourquoi Gros Mago il est attaqué avant? Je suis pas d'accord. Ou alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un peut me dire ce qui s'est passé? J'ai pas regardé. En fait, ils ont esquivé tous les deux l'attaque, c'est ça? C'est ça qui s'est passé? Moi, ça bug pas le chat. Ok, attendez, je vais... Parce que j'ai enlevé les soi-disant pubs qu'il y avait hier, là, vous savez. Oh, mais là, attendez. J'ai pas regardé non plus, j'avoue. On dirait que des images... Ah bah Fenrix il a le même truc que moi. Bon bah on va miser sur la baleine, notre dernier espoir. En vrai ça peut peut-être le faire. Et j'ai Terra cristallisé donc en vrai ça aurait servi à rien face à ce délire. Peut-être Yabuta si on arrive à passer Master assez vite. Voilà. Non mais c'est bon, j'arrive à lire au Chipone quand même. Je viens de m'échapper d'une soirée boulot. L'échapper. Ah bah écoutez, on n'a aucune raison de ne pas taper séisme ici, donc on va taper séisme comme des veaux. Il retire Goldingo et à mon avis il doit avoir Murkrow. Ah, c'est ouais, ouais, mais évidemment, je me doutais qu'il allait avoir un truc qui vole. Il fait abri, il a abri sur son, il a abri sur son Kourou singe. Alors il est vraiment. Franchement, il est une équipe de gros mecs relous, quoi. Genre, vraiment. En fait, c'est une équipe ultra basique. Alors, j'aime bien le Kourou singe. Alors, c'est un des seuls Pokémon qu'il avait que j'aimais, que je respecte, on va dire. Même s'il est extrêmement fort. Oyakata, c'est plutôt pas mal aussi. Mais clairement, Cornèbre, ça me dégoûte, quoi. Tu joues Cornèbre, t'as forcément aucun honneur, aucune dignité, quoi. Je veux dire. En plus, c'est même pas le problème du Pokémon, parce que le Pokémon en soi, Cornèbre, pourquoi pas. Encore beau, bon, sympathique. C'est juste son... En fait, son moveset, il est tellement genre... Il est marqué... Pardonnez-moi l'expression, mais... Il est marqué connard sur le front, quoi. Sa manière de jouer Cornèbre, c'est je suis un connard, quoi. Genre, vraiment... On est là-dessus, quoi. On est là-dessus. Donc, on va faire plat du jour sur Anilape. Buée noire, voilà. Bon, on a perdu. On a perdu, du coup. J'ai quand même continué pour voir ce qui se passe. En fait, buée noire, c'est le contre... Ah bah, je meurs, je pense. C'est le contre... Allez, je prends pas tant que ça, hein. Mais bon, je meurs. Je meurs anyway. Dun, dun, dun. Gigancel, c'est la même. Apparemment, c'est nos skills. Alors, Gigancel, on en a battu un hier, quand même. On en a battu un hier. Après, je me demande si avec cette équipe, j'aurais pu... Alors, on peut tenter de jouer la double climat. La double climat, c'est chaud à gérer, mais ça peut bien le faire. Donc c'est Tyranocif, Lugarok et Super Dauphin Béquipan. Mais bon, c'est, on va dire, pas pareil. Bah là, il faut espérer tuer. Ah bah je meurs en fait. Non? Ouais. Là, je meurs du coup? C'est maintenant que je meurs? Ah, ok. Aïe, 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 on va commencer par une lose, mesdames et messieurs. On commence par une lose et c'est certain, donc je peux quitter. Et éviter de perdre du temps, je vais quitter. Je vais quitter. J'ai quand même envie de faire Draco Météor sur ce Anilape. Est-ce que j'attaque avant? Vent arrière, bah oui, bien sûr. Et du coup, il va me tuer. Du coup, il me tue 100% avec point de colère, voilà. Évidemment, bien sûr. Et là, je pense que la team double climat aurait gagné, quoi. Est-ce que vous voulez que je change de team? On a une lose, hein. On commence avec une lose, hein. Terrible, on commence mal, hein. Anthony en plus il s'appelait, il était en mode « Je suis Anthony, j'ai téléchargé l'équipe d'emprunt, elle est trop forte !» La rage, je rage pas, c'est juste pourquoi il joue avec des Pokémon pas rigolos quoi. Oh, oh. Bon venez, on va sortir, on va prendre la team Super Dauphin, celle-là. Celle-ci, voyez-vous. Prenons des risques. J'aime bien. Triste, j'avoue. Du coup, la prédiction est terminée. Oh, en plus, vous avez tous voté pour oui. Beaucoup d'entre vous. Alors, je relance la prédiction. C'est parti. 2 minutes pour voter. Let's gong. Actuellement, remplissage de Pokédex. Mais bonne chance.
Salut petit oignon, bonjour. Alors là, ok. Donc là on va faire super dauphin, loup, garrock. Après on peut aussi faire des... Ouais non. On va faire la double climat. La double climat c'est vraiment beau jeu quoi. C'est beau. C'est beau. C'est beau mais normalement l'équipe qu'on joue d'habitude est plus forte je dirais. En fait celle-là je sais pas si elle est plus forte ou pas. On va voir celle que vous préférez. Donc là on va jouer super dauphin donc je suis content forcément. Pas de soucis Elsa, des bisous. Bababam. Bababam. 2500, de rien, avec plaisir. Vous avez eu de la chance. Franchement, vous avez eu de la chance, on est tombé sur Jean-Jacques Counter. Après, j'aurais peut-être pas dû prendre Yakata en regardant sa team. Alors, ok. Ah, on a une musique qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Alors, super dauphin. Super dauphin. Je sais plus comment je les investe. Je sais plus comment je les investe celui-là parce qu'en fait j'ai plusieurs super dauphins. J'en ai deux. Il est full vitesse. Normalement on est plus rapide. Ouais non attendez, j'ai peur. Est-ce que pour Marmotte c'est rapide? Mais de toute façon je suis bête, on est obligé. Donc tac, et là, écoutez. J'ai envie de faire ça quoi. J'hésitais avec un petit éboulement, mais on va faire un petit close combat. Ok, donc là on sait qu'on aura un super dauphin en backup, mais est-ce que Tyrannosif va se faire ouvrir en deux? Aïe, le bluff, ok nickel. C'est très bien, ça nous va pour l'instant. Close combat, allez meurt. Non il meurt pas, mais quelle merde. Draco Météor, eh ben, c'est super parce que tu vas pas nous tuer. Nickel. Parce qu'on a la ceinture force. Papa, salut Samael, bonjour. Le slow run. T'as pas tant le slow run, hein. Ok. Ok, la tempête de ça. Donc là, sans l'ombre d'un doute, Nous allons ébouler. Non. Point glace. Point glace et éboulement. Pas dingue. Attendez. Est-ce que vous pensez que Hydreigon meurt de la tempête de sable? En vrai... Ténacité. Et non mon petit, le Mac Punch, je me doutais qu'il avait Mac Punch, salaud. Normalement ça va, ouais je prends rien, allez on est bien. Est-ce qu'il meurt de la tempête? Est-ce que ça meurt de la tempête? Allez petit givre. Non, dommage. Ok, on est mid-life, c'est pas mal, on a gratté. Et ça meurt de la tempête. Mais bon, le truc c'est que de toute façon... Ah, j'ai presque envie de retirer Loup-Garrock là. On serait tenté de retirer Loup-Garrock là en vrai. J'ai réfléchis. Éboulement tous les jours là. Éboulement tous les jours, mais il risque de terra cristalliser peut-être en type plante. En vrai, vous savez ce que je vais faire? Faire ça. Je vais refaire point glace. Et je vais faire. Ah j'hésite à mort là. Attendez, s'il fait Mac Punch et que je fais ça et qu'après je renvoie et... On peut faire ça, c'est peut-être un move de ouf. Je vais envoyer Becky Pan, donc la team double climat. On va avoir un debuff en défense spéciale sur Merde, mais non, du coup il n'y a pas de dégâts de la tempête. Je comptais dessus pour finir pour Marmotte. Quel con. C'est pas grave. La situation en main. Voilà. Situation en main, mesdames et messieurs, je rappelle. La team double climat, c'est compliqué. Alors, je me doutais du terra plante. J'y ai pensé. On y a pensé. C'est pour ça qu'on a point glace pour Marmotte. Dans le doute. Mac Punch, donc on prend que dalle. Voilà, t'es dégoûté. T'es deg.
Papillodanse. Papillodanse. C'est embêtant, Papillodanse. Salut, bandit. Et salut, Don Polo. Et il meurt du point de glace. On a super bien joué. On a super bien joué. Et attention, on va voir les dégâts ici. Je rappelle qu'on a toujours pas Terra Cristal. J'aimerais bien le garder pour notre cher... notre cher Jean-Jacques. Ah non, il a papillot dansé, c'est vrai. Il a papillot dansé. Tyrannosif, on va faire... écoutez... J'ai envie de faire ça. Est-ce qu'il peut... Ouais, non. Hein. Ouais, non. Hein. On va faire vent violent. Faire vent violent. On va double attaquer Volcarona. Bah, on s'en doutait. Doucement, doucement, les dégâts. Quoi? Il attaque avant. Oh, il fait mal. Hein. Il fait mal, mais on vit des deux côtés. Donc, normalement, là, ça va prendre très, très cher. Alors, c'est pas le même Bekipang d'habitude. Celui-là, c'est mon autre Bekipang. Il y a la femelle et le mâle. Lui, c'est le mâle. Il a garde large. Il a qu'une seule attaque, c'est vent violent. Il a garde large, coup de main. Et vent arrière. Le petit givre. Le petit givre. On givre jamais. Manababam. On givre jamais. Bon, on va tenter de givrer du coup. On va tenter de givrer. Et coup de main du coup. En vrai, il n'y a aucune raison. Là, je vais faire coup de main avec Tyrannosif. Sur Tyrannosif. En mode hop. Comme ça, il me tue pas. Il me tue pas sur Bekipan. Voilà. Ah, il a pas fait Kuba du coup. Merde. Oh merde. J'ai anticipé le Kuba, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Parce que notre team est là pour gérer toutes sortes de situations. Team double climat, la pluie et le sable. Et là, on arrive avec Super Dauphin. Et je rappelle qu'on n'a pas encore Terra cristallisé. Nous avons la pluie. Nous avons le copain. Nous avons le point sonique. Donc insensible à Kuba. Et là, on fait coup de main. Coup de main pour la beauté du geste. S'il te plaît, ne quitte pas. Oui, il n'a pas abandonné. Regardez ça. La puissance du coup de poing, mesdames et messieurs. Et encore. Et encore. Et encore. Là, on est Super Dauphin. Donc, grosse attaque de base énorme. Terra cristallisée de type O. On attaque avec une attaque de type O. Et en plus, le coup de main du frérot Bekipan. Plus la pluie qui tombe. Autant vous dire. Autant vous dire. Que c'est un bye-bye. C'est un bye-bye. Un bye-bye. Autoritaire de Super Dauphin. Et c'est une win. Donc maintenant on est en Willy. On est en Willy, mesdames et messieurs. Bravo pour la prédiction. Bravo pour la prédiction. Et la prédiction est relancée. Et bienvenue, Schmarties. Bienvenue, Schmarties. Faut tuer combien de Pokémon avec points de colère pour faire évoluer notre colossinge? 20 lames doubles. Et merci pour le follow, lames doubles d'ailleurs. Tu as follow dans l'ombre et sache que tu m'as fait sursauter quand j'étais chez moi, hors live. Il y avait machin de lancer, donc OBS de lancer, du coup j'ai eu très peur. Bon, on remonte un petit peu là, c'était quoi cette merde là? Bon, allez, maintenant faut gagner. Vous préférez cette team avec Super Dauphin ou l'autre avec... ou celle d'hier avec Oyakata? Après, on peut... en fait là, faut savoir qu'en fait... En fait, on peut jouer cette team quoi qu'il arrive, parce que regardez, en fait là on a la même... on a la même chose en fait, on peut jouer... on a quasiment joué tout le temps... On a joué Golet quand même, on l'a sort, vous savez. Oh non, mais justement. Justement, là, Golet aurait été fantastique. Golet aurait été fantastique ici. Fantastique. Fantastique, fantastique. Est-ce qu'on fait la même? J'ai peur là quand même. Parce qu'il faut pas, normalement, faut pas laisser setup Oyakata. Écoutez. Que fais-je? Que fais-je? C'est la merde. C'est la merde. On va faire ça. On va faire ça pour celle-là. Voilà, voilà. Et on voit des Dratak. Alors ça, là, il n'y a pas de Super Dauphin du coup. Sorry. Sorry, guys. Pas de Super Dauphin. Je crois qu'une des... Mais c'est tout enregistré hier parce que vraiment, on a fait des matchs. Oh. Le match... Souvenez-vous du match où le mec a abandonné. Franchement, là où le mec a abandonné, on a tellement bien joué. C'était vraiment... Je crois que c'est la meilleure game. En fait, on a lu en lui comme dans un livre ouvert. C'était formidable. Donc là, on sait qu'il va faire mégaphone, potentiellement bluff. En vrai, ça va nous embêter là.
Attendez, il avait quoi comme Pokémon? Ok, bon, Vatera Crystal. Vatera Crystal direct, Lugia-Kata, manière 2. Et on va faire un éboulement au cas où pour tenter d'apeurer. De toute façon, Ariyama va faire bluff, mais on ne sait pas sur qui. That's the problem actuellement. Alors, Ashkit, il était très bien parce qu'on avait. En fait, j'avais vraiment tout anticipé le mec. Genre, que ce soit les Pokémon qu'il allait envoyer en premier, les moves qu'il allait faire. Franchement, le mec, il était, mais vert. Ok, c'est Tyranocif. Non! Nickel, c'est parfait. C'est parfait. C'est parfait. C'est parfait. Il faut juste espérer qu'il meure et ça serait nickel. Fromage. Fromage, on va prendre très cher. Ok. En vrai, ça va. Ça va, on se débrouille. On se débrouille, on se débrouille, on se débrouille. Ok, la brûlure du coup qui fait des dégâts, la brûlure. Écoutez, on va. En fait, il va forcément retirer son Ariyama, je me dis. Il va forcément retirer Ariyama. Je sais rien. Je vais faire point de glace parce que de toute façon on tue. Et éboulement. Ok, éboulement. Ah, il retire Ariyama, donc on a bien. On a eu raison de faire point de glace. Point de glace, si jamais on a un. Oh! Oh la. Oh mais oh! Oh non, on est intimidé. Dommage. Mais je pense que ça suffira. Et oui mon petit. Attention. Attention mon petit. Ça va. On se démerde. Alors le problème c'est que là. C'est pour une expérience sociale. Est-ce que en vrai ok, je sais ce que je vais faire. Je sais ce qu'on va faire. Merci. Oh, le 40e mois. 40 ans. 40 ans, Gilles. Merci beaucoup. C'est adorable. 40 ans. Merci. 40 ans toujours debout. Ça va sinon, Dreddicker. Bah, ça va. Dranguille. Merci beaucoup pour les 40 ans. Du coup, c'est vraiment très aimable. Vraiment très aimable. On va faire abri ici. J'espère que tu vas bien. Merci pour les 40 ans. Tu vas pas nous faire une crise de la quarantaine quand même. S'il te plaît. Ah mais c'est vrai qu'il a le. Il a fait bluff sur Nigirigon. Nigiricon. C'est fromage. Oh le point glace sur l'arrivée de Dratak, mesdames et messieurs, c'était beau hein. Je l'ai vu, j'ai fait. Oh bah oh. Oh bah merci. Sur un plateau. Il a été cueilli. Accueilli. Et ce Tyranocif qui tient très bien grâce à la tempête de sable plus à la veste combat qui lui booste tous les deux la défense spéciale. Mais ça meurt, non. Ok. On a peut-être encore une chance d'attaquer. Nymphalie qui est très très lent par contre. Et Famignol, aïe. Attendez, il a aucune réponse à Oyakata en vrai. Je vais pas prendre de risque ici. Ne prenons pas de risque ici. En vrai, je me dis, attendez, si Tyranocif là, il peut-être rester un tour de plus, mais Nigirigon, il peut crever quoi. On tente un move. On va envoyer Oyakata. Ça m'embête un peu, mais bon, c'est le, entre guillemets, c'est le problème de jouer Oyakata Nigirigon. Oyakata, le sociable, rappelez-vous. La Ratus Family redoutable. Mais en tout cas il peut rien faire contre Oyakata. Il peut pas enlever le buff, etc. Quelqu'un a une autre explication que le singe ne veut pas évoluer? Il faut que tu lui donnes un super bonbon, lame double. Voilà, tout simplement. Moi ça va, un début de semaine sur les chapeaux de roue. Bah éclore la tronche. Pareil, j'étais dans une école du voyage. Oh les dégâts. Et doucement là. Ah, il y a eu des dégâts là. J'ai pas rêvé. Il y a eu des dégâts.
Bon, normalement... En fait, tant que Nymphalie meurt, moi, ça... Tout me va. Il faut que Nymphalie meure au prochain tour sans que... Du coup, faut pas que je meure moi, quoi. J'ai aucune raison de ne pas taper séisme. Mesdames et messieurs, c'est une victoire encore. On a fait que 3 matchs, on a fait que 3 matchs, mais... On passe désormais à win 2, L1. Je pense qu'on a bien fait... Oh là là, il faut qu'il y ait quand même des gens qui votent non, hein. Faut quand même qu'il y ait des gens qui votent non, le chat. Ça passe, hein. La prédiction est relancée. Elle est d'ores et déjà relancée. En tout cas, merci pour les GG. Tintin. Alors, on continue. On garde la team Storm. La team Storm. On est en hyperbole. Hyperbole. Alors, c'est faux, hein. Attendez, on va changer. On va profiter pour changer ça. On va changer les images. Les petites images. Alors là, on n'a pas la team Kourou Singe. On a la team... On a la team... Super. Super. On a la team de l'enfer. On a une team double climat. Alors voilà. Double climat en mode. On perturbe l'adversaire. Et du coup, le dernier, c'est Béquipant. Et c'est pas le même Béquipant que d'habitude. J'ai deux Béquipants, je sais, pour le grand plaisir. Notre plus grand plaisir. Nous avons deux Béquipants. Avec chacun de moveset différents. Et pour le lore, j'ai un mâle, une femelle. Et c'est vrai que j'ai pas de Béquipant Shiny, enfin pas sur cette version. Parce que je le trouve extrêmement moche en Shiny. Enfin, en vrai, je le trouve pas extrêmement moche, mais je le préfère largement en normal. Super Dauphin aussi, vous me direz, mais voilà. Donc là, j'ai actualisé en fait l'overlay au-dessus avec les cercles là. Tous les Pokémon sont là. Bien, c'est parti. Du coup, on se rapproche du rang maître. Sur Écarlate, hier, on a fait des matchs insane. Si vous avez loupé, vous pouvez voir la rediff. Peut-être qu'il y aura une chaîne secondaire qui sortira cette semaine, je ne sais pas. Ah, mais attendez, mais c'est pas la même team qu'on a affronté. Si, oh, c'est la même team. C'est la même team qu'on a affronté tout à l'heure. On l'a affronté avec quoi, cette team? Y a pas de réponse trop à Oyakata, on est d'accord, hein. Y a pas trop de réponse à Oyakata, hein. Et ça prend beaucoup du point glace dans la... Hey, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je prends Super Dauphin. En fait, là, honnêtement, là, Super Dauphin, il est cool. Mais... Gotovol, je prenais pour la dernière. Hop, là. Une chaîne de rediff. Oya tous les jours, mais oui. Je sais. Mais en même temps, Super Dauphin, mon Super Dauphin, s'il est placé, ça peut être pas mal face à Kourou Singe. Voyez-vous? Bon, allez. J'ai écouté le chat, j'aurais pas dû. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, on a sorti Super Dauphin et il a placé le move ultime. On a réussi à garder la Terra. Oh, le vert shiny. On a réussi à placer la Terra, le coup de main, la pluie. On a vu le combo à l'œuvre. Évidemment. Alors là, c'est très embêtant. Alors, j'hésite. Non, j'hésite pas du tout. En fait. Aïe, aïe, aïe. En fait, j'ai envie de faire assurance sur machin parce que je sais que je le tue. En fait, à chaque message de Ochipon, il y a des bugs. Attends qu'il parte dans un magasin. C'est tout ce que j'ai pu lire. Alors, j'hésite. Attends. On n'a pas le choix. On va faire ça et on va faire... un boulement, quoi. On va tenter un apeurement ici. Un mec est venu me prévenir qu'il parlait leur langue. Est-ce que je ferais mieux de... Qu'est-ce que c'est que ça? Casse-toi! Rentre chez toi, Ochipon, rentre chez toi. Fuis, cours. Alors attention, c'est parti. Le ballon. Éboulement, l'apeurement. L'apeurement, s'il vous plaît, un petit apeurement quelque part. Oui, super. Oui. Pardon. Il faut que je masque mon contentement. Mais là, pour une fois, on a de la chance. Alors, cette chance n'a pas été
si incroyable, mais on va pas cracher dessus pour une fois qu'on a un petit peu de chance sur l'éboulement. On va pas dire non. On dit c'est cool, on a réussi à faire ce qu'on voulait pour une fois avec éboulement. Formidable, j'adore. C'est ça qu'il faut dire. On va faire exactement pareil. On va faire exactement la même chose. Est-ce qu'on aura double apeurement? Est-ce qu'on aura un apeurement? Non. Aïe aïe aïe, il va se régène à balle. C'est pas cool ça monsieur. C'est pas cool ça monsieur. Cage éclair. Mais quel salopio! Je t'en supplie, tape. Ouais. Alors, est-ce que ça va suffire avec la tempête? Non. Sans tempête, ça passe. On a éliminé la plus grande... Enfin, une grosse menace. On a éliminé une grosse menace. On va pas... pas s'en plaindre. Ah, tu verras, Edouard. Faut tester, hein. Faut tester. Point glace tous les jours, par contre il faut toucher monsieur. Point glace tous les jours, par contre il faut toucher. On va faire effort. On va attendre, on va mourir là. Oui, on va mourir. On va mourir. Mais c'est pas grave, c'est pour la bonne cause. J'aurais dû faire assurance sur gros magot, j'ai fait n'importe quoi. Mais c'est pas grave. Je meurs hein, de la posure, hein, c'était prévu. Merci Douglas pour les 100 bits. Le pan du matin. Le pan du matin, Dread, Yeltopobilus. Vous inquiétez pas, j'ai vu. Hein. Oh, j'ai la trouille, je peux pas attaquer. Oh, le cheat. En vrai, je vais rien dire, c'est ok. Alors attendez, est-ce qu'on a le pan du matin en magasin? Pourquoi je l'ai pas? Attendez, tout à l'heure, rappelle-moi la fin du match. Rappelle-moi la fin du match. Là, de toute façon, mon... Ah, c'est la merde, là. En train de me dire que c'est la merde. En train de me dire que c'est la merde. Okay. On va faire abri sur Negirigon, la classique. On délaye un petit tour. Tchernosif va sûrement mourir avant de faire quoi que ce soit. En plus, il est paralysé, donc il y a même une chance de ne pas attaquer. On va voir ce que ça donne. Au Chipon, il n'y a aucun problème. Peut-être de faire. Donc on meurt, mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est prévu. C'est prévu, on va dire. Alors, donc j'espère qu'on va pas prendre à mort de dégâts là. Alors il fait cage éclair, mais ça rate mon petit. Tu rates. Est-ce qu'il peut nous faire quelque chose à notre Oyakata avec les deux Pokémon qui sont présents sur le terrain? En tout cas pas grand chose. Donc on va voir si Oyakata était un si bon choix. On peut faire du ménage. On peut faire du ménage normalement. Allez, tous les buffs. On connaît la chanson, on connaît la musique. Séisme. Aucune raison de pas le faire. On attaque avant normalement. Est-ce qu'ils ont abri ou pas? On va voir ce qui se passe. Aïe 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 aïe. Je pense que c'est la Terra Spectre sur Gros Magot. Non! Ah, c'est vraiment tout ce que je voulais pas, quoi. Tout ce que je voulais pas. Bon, on verra son dernier Pokémon. Ah, ça m'embête, ça. Ah, c'est très embêtant, ça, voyez-vous. Pour les dégâts. Alors, ça, c'est pas grave, par contre. Oh, j'ai évité l'attaque. Bon, en vrai, c'est normal. La tempête de sable se calme, ça m'embête. Ça m'embête. Ah, ça m'embête et à la fois non. Mal luné. Machin le mal luné. Alors je réfléchis. Il faut qu'on tape séisme.
On n'a pas le choix que de taper séisme, mesdames et messieurs. Il faut détruire ce mal luné. Ce mal luné, là. Est-ce que ça peut être une potentielle menace? Ok. Il va me cage éclairer. Voilà. Me cage éclair. Vous savez ce que je vais faire? Lui casser la gueule. Alors là, j'ai deux options qui s'offrent à nous. Merci Oguchi, bienvenue à toi, merci pour le follow. Installe-toi tranquillement. Les gens sont gentils. Ici, profite. Séisme. Alors j'ai deux options. Soit je fais repos en anticipant le fait. Séisme. Le mec il déteste. Non, c'est quoi ça? Ok. J'aurais tellement dû faire ça. J'aurais dû faire repos. Yes. C'est bon. C'est bon. Normalement ça va. J'aurais dû faire repos, je le savais. Hein. Vous avez vu, je le savais. Mais je sais pas, dans mon cœur, je me suis dit non. La meilleure défense, c'est l'attaque. Alors normalement, je dis bien normalement. Normalement, hein. S'il n'y a pas de surprise subsidiaire, nous gagnons ce match. Par contre, il faut que... À part si on est paralysé 10 fois d'affilée. Attendez, je dis de la merde. Oui, c'est bon. Merci. Parce que châtiment, en vrai, ça fait toujours le même nombre de dégâts, je crois. C'est ténèbre. Enfin, c'est l'ancienne attaque qui s'appelait ténèbre avant. En fait, ça nous embête beaucoup sur Oyakata. Et là, en fait, la seule attaque qui touche, c'est plat du jour. Donc, on est un petit peu dans la merde. En vrai, là, c'est tendu. En vrai, c'est tendu. Allez, plat du jour. Yes. Il s'est fait pas tant de dégâts que ça. Explo Force, what the fuck? Bah ouais mec, ça touche jamais Explo Force. Là, c'est une attaque qui a jamais touché depuis 1982, Explo Force. Pourquoi tu joues Explo Force? Bon. Pourquoi pas, mais en vrai, il aurait dû rester sur châtiment. Hein. Séisme, c'est mort. Ça ne touche pas. Mais c'est pas grave, on a réussi à faire un plat du jour. C'est vraiment nickel. Et il fait soin. Oh, le chien galeux. Le chien galeux. Un match d'une intensité extraordinaire. Donc là, on sait qu'on se réveille. Voilà. Donc bim, plat du jour. Eh, ça prend pas de dégâts. Hein. Ça prend pas. Comment ça se fait qu'il a pas pris de dégâts comme ça? Ah, Explo Force qui touche, attention. Nul. Nul sur 20. À mon avis, il va spammer soin et ça va être insupportable. Ah, désolé, hein, c'est pas moi qui décide. Hein. Après, normalement, les dégâts là devraient être suffisants. Nous avons gagné ce match. Non sans mal. On a fait que 3 matchs? Non. On a fait que 3 matchs, le chat? Mesdames et messieurs, les loups de la justice, avons-nous fait 3 matchs? On a fait que 3 matchs? Châtiment, la puissance est doublée si le Pokémon est affecté par un statut. That's why. Merci beaucoup, Gab. J'avoue que je vois tellement jamais ça que... On a fait que 3 matchs. Ok. J'ai l'impression qu'on en a fait 18. Après, ils étaient longs. Hein. Ah! Oh! Peut-être... Et on est à 2 matchs. On est à 2 matchs de la gagnance. C'était le quatrième, non? Et c'était le quatrième? Attendez. Je peux voir. Ah non, je peux... Ah si, je récapitulatif, attendez. Ah non, c'est pas ça. Non, 4. Ah, bah oui. Donc, on a... Sinon, c'est marqué. Alors, attendez, on a un Oyakata. Est-ce qu'on duel Oyakata? Est-ce qu'on fait un duel d'Oyakata Kaka? Oyakaka. J'ai tellement envie de prendre Super Dauphin, mais... mais c'est pas bien de faire ça. On est obligé de faire la team Oyakata parce qu'il y a un Oyakata en face et on se retrouve avec Super Dauphin. Ça peut être embêtant, voilà. Le pont du matin, vite, vite, le pont du matin. J'arrive. Le pont du matin. Voilà.
Ok. Il a bluff le truc là, l'animal. Attendez, il avait quoi déjà? Il avait quoi déjà? Il avait machin machin. En vrai c'est bon, je peux Terra exploser sa gueule. Je peux lui Terra exploser la gueule. Il va peut-être faire sabotage ou un délire du style. Écoutez, au pire ça fera quand même des dégâts. Le pont matinal. Bye bye Lamdoub, reviens quand tu veux bien sûr. N'hésite pas, point d'exclamation RS, tu as Discord, Twitter, machin truc. N'hésitez pas, quand vous voyez quelqu'un qui s'en va, que vous avez jamais vu, qui peut être nouveau, il faut leur dire. Hein. Faut leur dire de rejoindre. Enfin, s'ils désirent bien sûr. Mais il faut le donner l'info. En toute gentillesse, invitationnellement. Donc on a loupé évidemment. Ah, on a loupé évidemment. Salut la Grégouze, comment tu vas? On a loupé évidemment l'éboulement, hein, ça aurait été trop beau. Ça aurait été trop beau. Bienvenue Grégouze. Et salut LG. Attention, la Terra Explosion qui va normalement faire le café. Voilà. Ah non, il a pris l'éboulement. Attendez, what the fuck? Il a rien pris de dégâts, je comprends. Ah non, c'est... Non, il a pas pris l'éboulement. C'était l'orbe vie. Ok. Donc là, on a dégagé un Pokémon, mais notre Loup-Garok malheureusement meurt aussi. Loup-Garok qui meurt aussi, dommage. Il n'y a pas eu d'apeurement. Et là, c'est quand même relativement embêtant que si tôt on est... Par contre, on va avoir la réponse. On va avoir la réponse si oui ou non, on a un double Oyakata en face, quoi. Ben, ben. Ben, ben, ben. La prédit ? Quoi ? Ah, y a pas de prédit. Oh, merde. Je vous laisse 30 secondes pour voter. C'est parti. Let's go. On a égalité, donc c'est bon. C'est quoi qui est en face? Oh merde, j'ai pas vu. Il a quoi en face? Oh, Oyakata. Ok, ça va être un duel d'Oyakata dégueulasse éclaté. Très bien. Très bien, monsieur. Je prends. Tintin, bonbon. Ça va vraiment être un duel d'Oyakata là? Ça va vraiment être le duel d'Oyakata là? Ok, je fais abri. Dun 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 dun. Allez, dégâts. Vas-y, fais des gros dégâts, s'il te plaît. Pas mal. Peut mieux faire. Séisme. Bah, ok. Ok, mec. Ok, mec. En fait, il a tué son... Il a juste tué son pote. Nickel. Ça m'aide. Plutôt sympa. Plutôt sympa comme move. Ah, tempête de sable qui fait des... Qui fournit des dégâts. Mais je crois qu'on est parti sur un duel. Hein. Un duel malheureux, mais il va commencer en tapant en premier. C'est ça qui m'embête un petit peu. M'embête qu'il tape en first. Et j'ai pas le choix. J'ai pas le choix de switch en fait. Il va forcément faire séisme en plus. Alors lui, c'est quel truc, ça? C'est quoi, ça? Qui êtes-vous? Après, lui, il a pas Terra Crystal, donc il a le Terra Crystal, en fait. Et tout va... Il a pas Terra Crystal. Ça va être ennuyeux. Je sens que ça va être très ennuyeux, cette histoire. Ça va être très ennuyeux parce que tout va dépendre de son type Terra Crystal, quoi. Et souvent, ils sont feu ou acier. Après, s'il est acier, je fais séisme, je lui casse la gueule, voilà. Hein. Et qu'est-ce que je dois faire là? Il a un tour d'avance, donc il va forcément gagner. Mais j'avais pas le choix. Si je restais, je crevais. Qu'est-ce qu'on doit faire, mesdames et messieurs? Il fait séisme. Ok. Ok, bah écoutez, qui est le plus rapide? Ça va être du speed tie en plus, horrible. Moi j'ai pas le choix que de faire plat du jour de toute façon. Le match d'une lenteur. Quelle est la carpe koi la plus... Moi je préfère la bleue, hein. Moi je préfère la bleue en termes de visuel, mais on a le prestige d'être shiny. Oh là là, le combat de la lenteur. Plat du jour. Après moi j'ai repos blabla dodo, hein. Est-ce qu'il va avoir le même truc que moi? Parce que repos blabla dodo, mon petit... Aïe aïe aïe, attention.
Attention, ce move là est décisif. Ok. Ok, c'est chiant, mais j'ai fait plat du jour, donc c'est ok. On est d'accord que la plante, ça résiste au sol, hein. La plante résiste au sol ? Oui. Ok, donc on reste sur plat du jour. Oh putain, je vais me faire ouvrir la gueule en deux. J'avais complètement zappé ce détail. Coup critique. La triche. Attendez, j'ai Terra Explosion de type... Ça suffira jamais. Spoiler, ça suffira jamais. Il va faire séisme et je meurs. Hein. Mais en fait, mon Yakata, il est bon. Il peut gagner les duels de Yakata à part les Yakata plantes. Donc c'est un Yakata plante. Donc il me bat. Tout simplement. On va mourir. Nous allons mourir. Je n'ai... Là, je résiste jamais. Hein. Je résiste jamais au séisme. Voilà. Voilà, on en est là. Ben, aquatacle. Ah ouais, le mec il fait aquatacle. Ok. C'est dommage. Oh, c'est dommage. Franchement, c'est dommage. Est-ce que j'aurais dû prendre super dauphin? Et voilà. Peut-être que si j'avais pris béquipant, j'aurais gagné. J'aurais dû écouter mon cœur. Il y a vraiment invité à. Ah non, ok. Je vais gagner avec Nigirigon, le chat. Jamais de la vie. Bon, il reste un tour, on se le fait quoi. On se le fait. Brum. Allez, petit vent glace. Est-ce que je suis plus rapide que lui? Non. Ta-da-da. Salut Cutie. Non, pas plus rapide, il est boosté x2. Attendez, je suis vivant. Mais qu'est-ce que je fous en vie là? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi mon Pokémon est vivant? What the fuck? Pourquoi je suis vivant? Et alors? J'aurais jamais dû survivre. Ok. Allez, Draco Météor, coup critique, let's go. C'est win. Le crit. Oh, j'ai presque cru. Si on avait fait double crit, on aurait peut-être win. Mais comment on a tanké séisme? Je suis choqué. Dion a gagné. Mais en vrai... En vrai pas ouf la victoire, vraiment, voilà quoi. Allez, c'est parti, je relance la prédiction. Bam bala. Bon, il a bien joué, voilà. Il avait le setup Oyakata versus Oyakata, mais en vrai, le Terra Plant c'est toujours bien sur Oyakata. Tam, ta, dan, tam. Allez, on est à deux games de la victoire. 3-2. J'ai envie de jouer super dauphin là, mais il faut que la team me mette en confiance. Mais là, je pense qu'on aurait gagné avec Béquipan. Ah bah justement, voilà. Attendez, là il peut avoir buée noire. Il peut avoir. Qu'est-ce qui fait qu'il défonce mon Yakata? Pas grand chose. Franchement, pas grand chose. Il y a que son Cornèbre qui peut vraiment nous embêter. Y'a que son Cornèbre qui peut vraiment nous embêter. What the fuck, il a l'euphorie le mec. Quoi, je veux dire. Là, ça m'embête, mais... Limite. Attendez. Je bug. Mais en fait, il joue une espèce de vieille team pluie trop chelou bizarre. Est-ce que j'écoute mon cœur ou pas? Vous savez quoi? Je vais écouter mon cœur.
On a envie de s'amuser. Ta-da-ta. En fait, j'ai misé sur le fait que l'adversaire était intelligent. C'est pas toujours une bonne chose. En fait, s'il est intelligent, il envoie pas Becky Pan directement en premier. En voyant ma team. En fait. Merde. Non. C'est pas ça que je voulais. Non. Bon. C'est pas grave. On va faire comme si de rien n'était. En fait, je pensais qu'il enverrait Astakuda, mais sans Becky Pan, pour anticiper le fait que moi, je mette la tempête de sable pour annuler la tempête de sable. Du coup, moi, je voulais contrer le fait qu'il ait anticipé l'anticipation. Mais voilà. Des fois, faut jouer bêtement. Là, j'aurais dû jouer bêtement. Ben voilà, c'est pas grave. Il fait vent arrière, bien sûr. Du coup, il va attaquer peut-être avant moi, surtout s'il a vitesse extrême. Ok. On fait des dégâts pas dégueulasses. Et on meurt sur Tyranocif, putain! Le balayage, quoi. Oh, le saligo. Bravo, hein. Bravo, le balayage. Balayage, je l'ai pas vu venir, hein. J'avoue. J'avoue, j'ai absolument pas vu venir le balayage. Je l'admets. On va envoyer Super Dauphin. Ici, voyez-vous? Salut fiston. On n'a pas terra cristallisé. De toute façon, on a rien à foutre. On terra cristallise. On terra cristallise et on va faire. On va bloquer sur point sonic. Comment ça, pas très efficace? On va bloquer sur point sonic, je veux rien savoir. Et on va faire ça. En fait, la Dracolos, problème. Problème Dracolos, j'avoue. Ah, ça se barre. Becky Pan, je pense. Je pense que ça va être Becky Pan. Mais ça, du coup, ça booste mes dégâts de type O. Ok. D'accord. Et mon Loup-Garok va de toute façon attaquer parce qu'il a ceinture force. Espérons qu'on arrive à gratter assez de dégâts pour terminer ce Dracolos sur ce tour. C'est le pari, quoi. Et bienvenue, Sacha Touille, dans le clan des loups de la justice. Merci pour le follow, merci d'avoir cliqué sur le cœur. Bienvenue. Et salut, Yu-I-O-O également. Attention les dégâts. Oh, normalement, on tue. Casque brut. Mais qu'est-ce que c'est que ce Pokémon? Mais qu'est-ce que c'est que ce Dracolos qui me contre? Qu'est-ce que c'est que ce Dracolos qui a été inventé, créé pour me détruire? Non mais oh. Ambiance un petit peu tendue ce match. Mon Tyranocif qui se fait balayer la gueule. Aïe. On est bloqué. Attendez. Réfléchis. Astakuda, il est extrêmement rapide, il va aller plus vite que moi, à part si je lui tabasse la gueule. Il va faire garde large. Vous pensez qu'il fait garde large? Fais pas garde large, mec. Fais pas garde large. Déconne pas. Fais coup de main sur ton Astakuda. Fais coup de main sur toi, Astakuda, et attaque mon Loup-Garok. Merde. Ah oui, attendez, c'est quoi? Ok, la classique, en vrai, ça change rien. C'était pas très efficace de toute façon. Allez, Super Dauphin. Allez, fiston. Pardon. Voilà. Super Dauphin, mon petit. Tu vas faire quoi maintenant? Le gros pigeon. Voilà, ça c'est pour Tyranocif, fiston. Voilà, vas-y, balance-nous ton cornèbre. Balance-nous ton cornèbre, là. Là, c'est beau. Là, ce que je vois, c'est beau. Le loup bleu avec l'orque et polar, là, sous la pluie.
avec aucun ennemi en face. Décimé. Décimé. Par contre, mes respects les plus sincères à son Dracolos qui a failli faire la game à lui tout seul. On va pas se mentir, très clairement. Très clairement. Mes respects. Mes respects, mesdames et messieurs. C'était un match tendu, mais beau. On a réussi à jouer double climat. On a réussi à jouer la double climat, ce qui n'est pas. Ce n'est pas chose simple. Ce n'est pas chose simple. Voilà. Balimbin. Je rappelle que vous avez toutes les teams. Enfin, les teams d'emprunt sont sur Discord. C'est trois variations de teams. Un peu rigolotes. Avec que des Pokémon que j'aime et avec lesquels vous pouvez gagner. Et ça, c'est rare. Bam, bam. Ah, oh, et oh, c'est quoi ces points là? C'est quoi ces points? Donc, on a 4-2. Salut Lulu, comment tu vas, Lulu? Merci pour les GG. Sauf mes points, super dauphin. Alors, c'est parti. Ah, mais j'avoue. J'avoue, le point Sonic là, le point Sonic sous la pluie qui a fait le taf. Alors, attendez. Est-ce qu'il y a des réponses? Attendez. Est-ce qu'il peut nous embêter au Yakata là? Il peut pas trop nous embêter au Yakata. J'aime beaucoup Super Dauphin. Il me paraît pas trop dégueu sur ce move. Mais franchement. Là, au Yakata, je le vois pas trop en mauvaise posture. On vient de jouer Super Dauphin. Il a fait un travail incroyable comme à chaque fois qu'on joue. Donc, d'ailleurs, franchement, je me dis, faudrait peut-être que je le joue full HP, full attaque. Parce que 98,7% du temps, je fais toujours point Sonic, qui est une attaque prioritaire. Donc, franchement, je devrais juste le mettre rigide. Alors, il est déjà full attaque, mais il est jovial. Et il a pas full HP. Oh, on a du shiny. Oh, attendez, il a un fer de terre. Pourquoi il a un fer de terre? J'ai peur. J'ai peur, le chat. Il a un fer de terre. Il a un fer de terre, le chat. Et pour quel motif? Pourquoi faites-vous ça? Double éboulement. Mais je peux tuer faire. Je suis dans l'hésitation, là. Double éboulement. Oh, la ceinture force. Non, même pas ceinture force. Ok, il a juste résisté. Chien. Mur de fer. Non, me dites pas que c'est une technique chelou, bizarroïde là. Non, en plus il évite l'attaque. Kilowattrel. Mais t'es sérieux, mec. Allez, dégage. Pardon. Côte Gold. Ah. Côte vol, c'est promis. Promis, on le fait. On le sort. On va le sortir. Fer de terre. Qu'est-ce qu'il va nous faire, ce ver de terre? Il me fait peur, en vrai. Il me fait peur. Qu'est-ce que tu fais là, mec? Qu'est-ce que tu fous là? Mais respect, hein. Respect, ça prend fer de terre. Koraval, aïe. Il est combat, on est d'accord. Allez hop. Et je sais ce qu'on va faire sur ce fer de terre. Pour l'instant, on le laisse fer de terre. Et si jamais il nous embête trop, je ferai effort. Ça le mettra à 1 PV. Malgré son mur de fer, quoi. Donc pour l'instant, je suis. Voilà. Je sais pas ce que vous pensez de fer de terre, le chat. Il est beau, faire de terre. Oui, il est beau. On l'a d'ailleurs. Un des chenilles qu'on a chopé le plus rapidement de ce jeu. Le quoi Raval, évidemment, évite l'attaque. Ça nous aurait bien trop mis bien qui se la prenne. Oh, les dégâts, monsieur, les dégâts. Alors lui, c'est une menace. Hein. Il faut vraiment l'éliminer. Ok, nickel. Ça me va très bien. Le fameux mur de fer Big Splash. Hein. Et du coup, on va faire effort, hein, ce qu'on a dit. Là, il faut à tout prix que la Terra tue, s'il te plaît. La Terra, faut que tu tues. Ce serait très sympa, quand même. Merci beaucoup. Cette chose à Moxie, alors en français, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est le truc qui fait que quand il tue un Pokémon, son attaque augmente. Et comme généralement, il le tue avec la
l'attaque qui fait que ça lui augmente sa vitesse. En fait, c'est comme si dès qu'il tue un mec, il avait une Dragon Dance, quoi. Donc, plus vitesse, plus attaque. Pour l'instant, on tient. On a 2 KO. On tient avec la team Dinosaur Loup. S'il a bluff, coup dur. Bah, il avait pas trop d'un. Ah ouais! S'il a bluff, coup dur. Mais non, mais t'inquiète. Parce que de toute façon, je vois pas trop ce que Faire de Terre fait contre Oyakata. À moins qu'il y ait un move de dingo. À moins qu'il a pas encore dévoilé sa dernière carte. Alors, Siruyage, c'est qui? Ah, c'est donc vous. C'était donc vous. c'était donc vous. On va faire. Et je pense qu'il va Terra Crystal. On va faire ça. On va faire ça et on va faire effort sur Outworm. Outworm. Aïe aïe aïe, la Terra Crystal. Salut Fab, bienvenue Fab. J'espère que tu vas bien Fab. La Terra quoi? La Terra Plante, c'est ce que j'ai dit. Donc dans le doute, on avait Point Glace, mais on n'a pas besoin de suranticiper trop là. On pouvait Terra Crystal Vol aussi. Allez, l'effort. Notre move qui fonctionne, la lame en peine. Qui va pas tuer, mais qui va régène un petit peu. Mais du coup, tu vas quand même prendre... On va quand même prendre un certain tarif de ce côté-là, non? On va même prendre un certain tarif. Ça va. On a vu pire. Par contre, il risque de faire très mal à Oyakata, je suis en train de me dire. Oh oh. Oh oh. Il a pas d'attaque qui attaque plus vite que moi. J'attaque avant son Fer de Terre, non? Logiquement, on va dire que oui. Donc on va... Terra exploser ça. Non, bah non. Bah non, on va Terra exploser toi. Attendez, en fait je sais pas qui va finir en fait. Donc dans le doute, on va Terra dans tous les cas. Ici, et là on va faire est-ce qu'on fait effort ou close combat? Effort, c'est sûr ça va faire des dégâts. Je sais pas quoi faire. Écoutez, on fait éboulement. Je sais pas quoi faire. Bah non, en fait on fait effort. On fait effort et avec la tempête de sable il meurt. Mais non, mais pas effort! Non, mais si, c'est bon, pardon. Ah, j'ai eu peur. Ah, là, j'ai. En fait, j'ai pas. Dans mon cerveau, ça fait. Ah, ben non, ombre portée. Ok, non, c'est bon, c'est bon. En fait, je me suis dit, non, pas effort, il est type spectre. Mais en fait, il a Terra Plante, donc c'est bon. Mais du coup, là, on le tue. Ouais. On a bien fait d'attaquer. On a très, très bien fait d'attaquer ce monsieur. Il a fait abri en plus sur son Ver de Terre en pensant que j'allais aller attaquer Ver de Terre. J'ai failli le faire, hein. Mais en réfléchissant. Plus de 10 secondes, on se rend bien compte que c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Mais du coup, on a laissé ce petit Fer de Terre qui était. Voilà. Et je meurs. Bah, c'est... Ah, là, c'est. Parfait. Là, c'est vraiment. Parfait. Le loup et le dinosaure qui meurent sur le même tour. Fer de Terre qui est là tout seul, genre. Salut les gars! Salut! Il avait quand même le vent arrière au fion, hein. Mais ça n'a pas suffi. Hélas. Et là il va se dire, allez, qui l'envoie? Je vais gagner avec mon fer. Après, respect à lui. Franchement, respect à lui. Il sort Fer de Terre Shiny. Moi j'aime bien les gens qui font ça. Il doit bien aimer son Pokémon. Il l'a sorti, il a essayé de le jouer de manière sympa. Et en vrai, pourquoi pas, hein. C'est juste que. Pourquoi pas? Moi je dis mes respects. Et là vous imaginez, il me one shot, il gagne. Mode une attaque inventée. Il invente une attaque. Le duo Dinoloup, exactement. Bienvenue à ceux qui arrivent, n'hésitez pas à vous présenter, hein. Fab, Sachatouille, Grégouze. N'hésitez pas, hein. Vraiment, on est là. On se régale. Hein. Madino, quel beau match elle a fait. C'est vrai qu'elle a fait un beau match. Franchement, Tyranossif a fait un très beau match. Avec ses petits ballons. Là, il veut pas jouer, il est en mode. Je vais le faire chier jusqu'au bout. Je vais le faire chier jusqu'au bout. Ok. Franchement, j'ai envie de lui serrer la main. Oh merde! Oh, j'allais dire. Oh, j'allais dire le génie. Ce n'est pas fini! Il a absorbe terre. Oh mon dieu, mais quel génie!
Je sais pas, je connais pas ce Pokémon. En vrai, il va nous saouler, hein. En vrai, il va être chiant, hein. Voir les dégâts, absorbe terre, mais MDR. Il prend. Il résiste au type dragon en plus, je crois. Mais il est trop marrant, ce mec. Mais quel enfer. Mais quel enfer. Après, on gagne avec Nidorigon. On gagne avec Nidorigon, à part si Nidorigon rate son Draco Météor. Mais quelle horreur. Mais vraiment, on l'a tellement sous-estimé, alors que là, c'était lui depuis le début. C'était lui notre ennemi numéro 1. Ah, c'est bon. En vrai, on allait win. On allait win avec Nidorigon, mais trop marrant. Franchement, trop marrant l'absorbe-terre final. Merci, mec, bravo. Bravo. Franchement, trop marrant. Il nous a fait rire à la fin, en fait. Il nous a dit, attends, c'est pas fini. Regarde. En vrai, trop marrant. Après, je pense que... En fait, ce qu'il a voulu faire, c'était voir si j'avais que séisme. Je pense. Et il a vu que non, évidemment. Alors, t'es un peu bête. Un peu bête. On en est où? Allez, on est à un match, je pense. Attendez, mais... Ouais, c'est bon, 5-2. Re. Merci pour les GG. Il est intéressant, ce verluisant. Là, par contre, on a une team assez relou. Est-ce que Shredder. On a une team un peu relou. Et franchement, Oyakata, il y a le fameux Cornèbre qui sera là, quoi qu'il arrive, bien évidemment. Mais j'ai presque envie. Coucou Trides. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai envie de sortir Super Dauphin pour la last. En même temps, c'est risqué. Le beau jeu, le chat. Je vais pisser, j'arrive. C'est quoi? Nuscarda Murko. Oh non, oh non. Alors attends. Hop, tu dégages. Je vais te faire défoncer, mais c'est pas grave. Régale-toi. Et là. On fait quoi? On va se faire ouvrir en deux. Waouh. Éboulement. Allô, vous m'entendez? Je suis là. C'est bon. J'ai lancé la prédit. Non. Vas-y, la prédit commence maintenant. Merde. Qu'est-ce qui s'est passé? Je peux savoir ce qui s'est passé? Il s'est passé quoi le chat? J'ai pas vu. Aïe. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé quoi? C'est vrai, Ikazi. Salut, Creepy. Qu'est-ce qui s'est passé? Je veux savoir ce qui s'est passé. De toute façon, on n'a pas assez de PV pour Terra Crystal en vrai, donc c'est pas très très utile. On va refaire. En vrai, j'ai pas de raison de pas faire ça. Du coup, je fais ça et je refais ça. Allez. Vent arrière. Chiant sur 20. Mais c'est pas très grave parce qu'on a un super dauphin. Waouh! Ma vitesse est doublée également. Allez, un petit apeurement! Petit apeurement! Merde. Chien! J'ai oublié Cotovol. Mais non, j'ai pas oublié, on le fait après, Cotovol. Moi, ça, Cotovol. Ok. Donc là, qu'est-ce qu'il va faire le petit?
Qu'est-ce qu'il va faire? Après, franchement, Tyranocif, il a quand même été cool. Goldingo, merde, c'est normalement c'est Tyranocif qui s'en charge. Vas-y, j'envoie Super Dauphin de toute façon. Vas-y, mec. Et Salopio. Et Salopio, ok. Eh bien, voyez-vous, nous allons prier très fort. Voilà ce qui va se passer. Alors, de toute façon, il a fait ça. Donc, on Terra Crystal point Sonic dans sa gueule. Et on fait éboulement. En vrai, c'est le meilleur move, là. Le meilleur move. Alors, attention. Alors, j'aurais pu switch Lugarok et envoyer pour faire plus de dégâts avec le point Sonic. Mais là, on peut double attaquer. Donc, si ça rate pas, ça peut être cool. Si ça rate pas, ça peut être plutôt cool. Bonsoir, Sasa. Allez, Super Dauphin. On croit en toi, mec. Alors, si on avait envoyé la pluie, on aurait... Non, c'est ça que je voulais pas. Oui. Non, aidant. Bravo. On va miser la sûreté. Après, on serait pas mort. Mais le loup Garok, les gars. Le loup bleu de la justice, mesdames et messieurs. J'aime trop ma team double climat. J'aime trop le double climat. Je préfère quand je joue ça qu'au Yakata, franchement. C'est beaucoup plus drôle. Allez, le séisme qui va me mettre à 1 HP sur loup Garok. Et non, mon petit. Et non, fiston. La ceinture force. Alors, il a casque brut, bien évidemment. Enfin, peut-être pas casque brut, mais il a peau dure, c'est sûr. Et il a encore son Miascarade, il faut faire gaffe. Hein. Son Miascarade, maître du classement, qui a 1 HP, par contre. Et du coup... t'as un peu le seum, quoi, mec. Dégage. On va le tuer directement. Est-ce qu'il a bluff? Vous pensez qu'il a bluff? On va refaire éboulement. Je refais éboulement, je me régale. En vrai, j'aurais pas dû faire éboulement, j'aurais dû faire effort. Oh merde, qu'est-ce que j'ai fait? Oh, j'ai fait le pire move, je crois. Parce que cette game, en fait, elle est pas tant gagnée que ça, hein. Je suis en train de réfléchir. En fait, là, j'ai anticipé le fait qu'il avait peut-être bluff. Là, Garchomp, il va tuer Super Dauphin. Il va aussi tuer... Ah, mais en fait, là, je suis dans la merde. Oh merde, j'ai lose. Je vous jure, j'ai lose. À part si j'ai... il est apeuré. Sois apeuré, mec. Ok, c'est bon. Il a fait Draco Griffe. C'est bon. Il est bourré. C'est bon, il est bourré. Nickel. Pourquoi il a fait Draco Griffe? Il est complètement jobard. Il avait sorti quoi avant? Il avait fait séisme? Après, je sais pas s'il aurait win en vrai. Je dis n'importe quoi. Il avait fait quoi avant? Il avait pas éboulement, je crois. Donc là, mes amis et messieurs, on va gagner d'une manière que j'adore. C'est comme ceci. Regardez bien parce que on voit pas ça souvent. Oh non, il a pas fait, le bâtard. Bravo à lui, bravo le chat, bravo. On a win. C'était beau, de toute façon, en vrai on avait gagné, je suis bête. J'ai été pessimiste, mais en vrai on était bien. J'avais oublié qu'on avait la garde large sur Becky Pan, qu'on avait... voilà, on aurait été plus rapide en plus. Il n'y avait plus le vent arrière. Est-ce qu'on est master? La réponse est, est-ce qu'on est master? Bam bam. Super Dauphin qui a encore fait un taf, bien sûr, incroyable. Je regarde si on est master. Mesdames et messieurs, nous avons atteint le rang maître, encore plus rapide.